Maintenant, c'est le pasteur qui dépose la ligne de vision à ce sujet. J'entendais parler de ça, bon, je pense que c'était léger, mais c'est le jour que le diacre Deba m'a parlé que ça a quitté. Je suis le diacre Deba, non, le diacre Kalenda. Ça, alors, je dis que c'est un point que je pensais simple. Alors, quand j'étais à Kin, c'est là que j'ai étudié ces choses ici. Non, alors, bon, maintenant, vous me suivrez attentivement. Jean 14:12, c'est le seul verset que nous exploitons. Non, prenons 11:12. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Seigneur Jésus, nous voulons enseigner ce point ici. Tu nous as établi comme surveillants de ton troupeau. Et il est manifeste que ce point est en train de ronger les gens, cette liberté facilitée où les gens l'interprètent à leur manière au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur. Révèle à chacun de nous comme nous te l'avons demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Le prophète d'abord a fait cette déclaration qui n'est pas encore dans la matière. Dans vous devez naître de nouveau. Paragraphe 28 seulement. C'est une responsabilité. Il nous interpelle, nous les pasteurs. Personne ici ne veut aller en enfer. Je pense que c'est la même chose aussi parmi nous ici. De même, personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées, faisait là-bas, ou non sous la pluie, en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Ceux qui viennent de Chikama et font fond de débat là-bas, l'homme fort. Chez Tchema là-bas. Chez Diaki Kaloubi à l'extrême là-bas. Et qui vous viennent à des distances comme ça. Et à la fin de la nuit, il y a une forte pluie. Vous voyez? Il dit qu'il y a quelque chose qui vous attire ici à cet endroit en particulier. Par conséquent, c'est notre devoir à nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri
et de la bonne manière, parce que le Dieu Tout-Puissant et jugera que l'on répande du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous ce jour-là, pasteur. Ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. Car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. Ça, la veste ici, c'est des gens qui nous aiment. Hier, j'ai vu une jeune sœur qui est médecin qualifié. Mais voyez, il n'était pas encore, n'avait pas encore trouvé la stabilité dans son emploi. Mais il est venu me faire un miracle, je crois que les 4 jours de prière. Comment Dieu a béni. On l'a affecté. On l'a accordé déjà les primes. Elle m'a amené quelque chose, l'argent en reconnaissance. Vous voyez, quand on voit des choses comme ça, comme le prophète dit, car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre comme vous êtes venus. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes des bergers surveillant les brebis. Mais comme ce point a commencé à se généraliser, je ne pouvais pas seulement chercher ces personnes, il faut maintenant instruire l'église. Et le prophète continue. Car nous sommes bergers surveillant les brebis. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe, car cela la tuerait. Au tabernacle de Mbujimayi, il y a des officiels qui sont reconnus. Et maintenant, on a ajouté ces corps de la surveillance comme un organe qui doit nous aider à cause des troubles des vols. Vous êtes un croyant dans l'église. Nous avons des juridictions qui sont sous la surveillance des diacres. Les diacres sont des assistants du pasteur. Frère Branham dit, dans tous les services que le pasteur doit faire, dans tout ce qui est spirituel, les diacres sont inclus avec les pasteurs. Ils travaillent l'un avec l'autre. Prédication, tout avec les diacres. Traiter les cas de foyer, les diacres sont associés avec les pasteurs. Vous êtes un croyant dans les bancs. Vous voulez répandre votre compréhension parmi les gens. Le prophète dit que les pasteurs répondront dans ce qu'ils prêchent.
Toi qui t'as autorisé de prendre tes convictions et commencer à répandre ça. Tu répondras pour cela. Ici, dans ce petit livre que le frère Kombo m'a laissé, le pasteur, un sacré office, qui est un office sacré, dans les messages, écoutez-le. Du 26 janvier 1958, paragraphe 73, prophète parlait. Ainsi l'Église est la branche que le Saint-Esprit, dans laquelle le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit parle au travers de lèvres du pasteur. Il travaille à travers ses mains. He walks through his hands. Il travaille au travers de ses hands, de ses mains. Je reprends. Ainsi l'Église est la branche où le Saint-Esprit, l'Église est la branche que le Saint-Esprit opère à travers l'Église. Il parle au travers de l'œuvre du pasteur. Et il opère à travers ses mains. C'est cette personne qui répondra. Un membre du tabernacle de Mbujimaï bien enseigné. Vous allez en voyage. Vous arrivez dans une assemblée locale. Même si ce pasteur est ignorant, vous n'avez aucun droit de contacter les brebis et commencer à distiller votre connaissance. Vous êtes tenté de briser l'ordre dans l'église. Le pasteur qui a prêché, tu as vu qu'il est en erreur. Toi, tu es parti là-bas dans les affaires. Et tu as une bonne compréhension sur la chose. Un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui connaît l'ordre dans l'église, il ira par la porte voir les pasteurs et lui montrer, et non pas entrer dans les fenêtres, commencer à distiller du poisson. Celui qui entre par la fenêtre, c'est un voleur et un brigand, a dit Jésus. Alors évitez d'être comme cela. Vous n'êtes pas appelé à prêcher. Et vous vous mettez déjà à distiller votre connaissance. Vous répondrez pour ça. Nous démarrons dans notre enseignement. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Je commence dans la première déclaration d'introduction de base. Ça sera mon refrain au cours de mon exposé. C'est l'introduction seulement de, ça dit que nous entrons dans la matière, mais je vais vous rappeler cette déclaration du prophète. Parce que nous allons parcourir les déclarations du prophète. La semence n'hérite pas avec la balle. La prédication du 18 février 1965. Je lirai paragraphe 25 à 28. Le prophète parle.
Un prophète Nyawakul. William Branham parle. William Branham Nyawakul. La bouche de Dieu parle. Mugana mwanzambi mwa mwakula. Le messager parle. Mutu miwa Nyawakula. Le voile de Dieu parle. Chibuigilu chanzambi chachakula. Paragraphe 25. Kasangume yavinikitan. Juste 6 mois après. Nguitan wandi sambom. J'avais mon premier baptême ici dans le fleuve. Lorsque la lumière descendit juste là, à la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil. À la rue Spring et Water. Juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois. En public. Un après-midi à 2h. Et une voix vint du ciel. Et dit. De même que Jean-Baptiste. Fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton message, toi Branham, précédera la seconde venue. Il a rappelé d'abord ça. Maintenant, au paragraphe 26, écoutez ce qu'il dit. Nous voici 30 ans plus tard. 65 et me voici ce soir proclamant toujours ce message. Il a donc ce message a fait le tour du monde. Et je suis heureux de revenir dans ma ville, pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ. Quand il est revenu à Jeffersonville, que j'aime toujours de tout mon cœur, le Seigneur Jésus. Il devient chaque jour plus doux encore que les jours précédents. Maintenant, écoutez cette déclaration. Pourquoi j'ai tiré cette citation? Écoutez, c'est ici. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Katia, tu te manges pour chier tout le nage et tu l'as de moi. Coute-moi, Yishani, ma coulombe, c'est pourquoi nous allons suivre Jean 14 progressivement. Celui qui fait cette déclaration en 65. Au sommet de son ministère. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Quand nous allons entamer Jean 14, c'est lui qui dit au départ, la première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même manière ce soir en 65 avant sa mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 27. J'ai un message dont je suis responsable, dit William Branham. La première fois que le message est sorti, tout le monde priait pour les malades. Il y eut de grands signes.
Des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement bon. Je voulais surtout attirer l'attention sur ce que je vous ai montré là. Vraiment, mon prochain message, les cinq identifications précises d'une véritable église. Qu'est-ce qui m'identifie à un Congolais aujourd'hui? C'est pourquoi on me donne la carte d'identité. Qu'est-ce qui vous identifie que vous êtes Congolais? On prend votre carte d'identité. On connaît les villes du Congo. On connaît aussi la résonance des noms selon les provinces. On prend Chilenge, Mwindila, Yesu. Son père qui? Muzungu. Ça sonne. Originaire de Benampoi. Ça existe? Oui, oui. À Lupatapata. Branche de Bakwanga. Né en telle date 1956 ou 58, marié à telle, ça a la résonance congolaise. Voilà son identité. Qui a ton identité? Chacune de vous sœurs a son identité, son origine. C'est ce qui prouve que vous êtes Congolais. Maintenant le prophète dit que chaque groupe s'identifie à l'église. Groupe de prière, nous sommes l'église des vivants. Partout, Tabernan Boujama, partout église des vivants. Maintenant, il révèle, voici les cinq identités, donc des rubriques de l'identité, de, comme il y a dans nos cartes d'identité. Père, origine, ville, province, ainsi de suite comme ça, territoire. Là maintenant, voici les cinq identifications dans la carte d'identité de l'église, pour connaître la véritable église, si vous voyez ces cinq là. Lui a relaté ça. Mais je prends une identité. Le message, ça dit que vous arrivez à un groupe de gens au milieu d'un groupe qui se disent église. Comme quelqu'un dit qu'il est congolais, vous connaissez les villes du Congo, montrez votre carte d'identité, les noms. Alors nous revenons dans ce que je disais. Frère Banan parle de ça, il prend maintenant une identité, il dit quel est le message que prêche une véritable église. Vous arrivez, faites attention. Si dans son message, il ne prêche pas comme ça, ça, ce n'est pas une vraie église. Nous prenons seulement un message. Son message. Je prends paragraphe 88 à 90. Les cinq identifications du 19
septembre 1960. Rappelez-vous, William a dit, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir en 65. Le sceau ouvert. Nous sommes dans les cinq identifications. Maintenant, Jésus est le roi. Ça dit que il dit le second message. Jésus est le roi. Et il y vit pour toujours. Jésus est le roi. Et il y vit pour toujours. C'est ce que devra prêcher chaque église. Non, non. C'est ce que prêche l'église. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le message de l'église. L'église faisant ses œuvres, son œuvre, confirmant sa parole et rendant témoignage. Et nous sommes les témoins de ces choses. Toujours le message de l'église, l'identification de la véritable église, paragraphe 90. Jean 14, 12, il parle de Jésus. Il donne l'enseignement de ce que l'église devra être, donc dans Jean 14, 12. Il dit dans Jean, le 14e chapitre, et le 12e verset, vous voyez ce que ça dit. Jean 14, 12. Ainsi, nous lisons cela. Nous avons lu cela. Nous rendons cela officiel. Jean 14 et le 12e verset. En vérité, je vous l'ai dit, il cite l'écriture. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il la fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. C'est le message de l'église. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vivant dans l'église. Ressuscitant les morts. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Accomplissant les mêmes œuvres. Faisant les mêmes choses. Que Jésus fit. C'est le message de l'église. Si l'église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. C'est ce que Jésus a commandé, leur a commandé de prêcher. C'est-à-dire que Jean 14, 12, ces œuvres-là, l'église doit prêcher cela. Suivez-moi très bien. Maintenant, quand nous lisons Jean 14, 12, maintenant le prophète va entrer dans l'analyse de ces mots-là. C'est là qu'il va maintenant nous aider dans la compréhension.
Nous sommes dans le message Laissons incertains. Mais avant que je lise ça, je vous montre déjà ce qu'il est tenté de dire là. Il est en train de nous aider dans la compréhension sur Jean 14-12. Surtout vous les jeunes gens, suivez très bien. Vous êtes des enfants de vous aimer Dieu, c'est parce que vous aimez les messages. Et nous vous apprécions comme vraiment vous avez laissé le monde et vous vous tournez en vouloir. Même quand vous échangez là en discutant, c'est bon parce que vous parlez de la parole de Dieu. Mais faites attention, si vous maintenez votre compréhension alors que vous n'avez pas la bonne compréhension, alors vous allez aussi répondre devant Dieu. Mais échanger la parole, c'est très bien. Il faut que vous partagez la parole avec les autres. Et mes sœurs suivent aussi très bien. Parce que quand des frères sont dans votre véranda, partagent la parole, vous suivez aussi comment ils discutent sur ce chapitre. Alors, vous ayez la compréhension que le pasteur donne ici. À partir du prophète. Je prends le passage. Nous relisons encore dans la traduction Louis Segond. Jean 14-12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en ferait le plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Maintenant, pour certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi le pasteur traite ces sujets, et qui n'ont jamais entendu ce qui se dit, il faut que je vous éclaire. Il y a une tendance de compréhension courante que Jean 14-12 n'est uniquement que pour frère Branham. Ça ne concerne aucune autre personne. Ça c'est seulement frère Branham. Nous pensions que peut-être des petits échanges entre les enfants de Dieu, mais c'est comme d'autres commencent déjà à fixer ça et ça commence à prendre de l'ampleur. C'est pourquoi je vous ai lu dans mon introduction. Dans vous devez naître de nouveau. Je reprends encore. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que ce n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes des bergers surveillant les brebis. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer avec cet enseignement, pour nous fixer donc. Maintenant c'est Jean 14-12 qu'on dit que c'est pour frère Branham seulement. Peut-être que vous n'avez pas l'ensemble des citations. Dieu nous facilite avec l'ordinateur, vous tirez l'ensemble et vous étudiez, vous voyez comment il a progressé jusqu'à la fin. Vous avez la compréhension exacte par la prière et surtout vous recommandez votre responsabilité que voici, c'est mon devoir d'éclairer parce que maintenant ça commence à créer ceci. Révèle-moi ou éclairez-moi. Et quand nous avons cette, nous saisissons ça et alors nous avançons pour éclairer. Nous
Voyez, parce que, voyez, quand certaines choses se disent, bon, vous ne sentez pas qu'une préoccupation, bon, vous pouvez parler, mais quand on voit que ça devient une, alors maintenant, ça doit vous amener, alors il faut que j'étudie ça. Bon, alors, si vous ne pouvez pas dire, je ne peux 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 pas dire, maintenant écoutez le prophète comment il est en train d'interpréter Jean 14, 12. Alors voyez si il va joindre votre façon de voir que c'est seulement une seule personne. Et rappelez-vous qu'il a dit il n'a jamais changé un seul iota de sa doctrine. Ce qu'il a commencé à prêcher, il soutient ça jusqu'en 65 de la même manière. Les sons incertains, il y en a beaucoup, mais du 18 décembre 1960. Paragraphe 372. Il dit, Jean 14 et 12. Il a dit donc, parlant de Jésus, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous ferez des plus grandes. Maintenant, il explique. Il dit plus grand dans le sens de davantage. Pas dans le sens grand. Mais davantage. More of it. Davantage de cela. Il dit les mots là-bas parce qu'il exploite maintenant Jean 14, 12. Il dit les mots qui est là. Regardez en grec. Il est dit plus que ou davantage vous allez faire. Pas plus grande que je sais que je veux, mais davantage. Pourquoi? Car Dieu était juste dans un homme. Maintenant, Dieu est dans son église en entier. Les œuvres qu'il a fait en Jésus, quand il était, je vous lirai en droit, qu'il était en un seul lieu. Mais quand il maintenant, ça sera davantage. Le vrai sens du mot grec qui est là, parce qu'il a rejeté cette traduction de plus grande. Il dit en grec le mot qui est là, c'est davantage. Parce que maintenant Dieu, comme il est dans son église, il y aura des œuvres plus nombreuses. Suivez encore. Il va éclairer maintenant davantage. Je suis dans les messages. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 8 février 1961. Pardonne ma soeur, quand je regarde plus de côté des hommes, je vois beaucoup de soeurs voient que comme on ne les regarde pas. Bon, vous êtes aussi concernés, suivez bien ceci. Le prophète revient.
C'est ici qu'il va maintenant davantage éclairer cette traduction du mot plus grande. Paragraphe 33 à 34. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 8 février 1965. Écoutez. Maintenant, ce que nous voulons faire alors ce soir, si nous voulons découvrir dans quelle église il est, si je voulais voir s'il est dans l'église pentecôtiste, écoutez bien sa pensée, je reprends. Maintenant, ce que nous voulons faire ce soir, si nous voulons découvrir dans quelle église il est, si je voudrais, si nous voulons plutôt voir s'il est dans l'église pentecôtiste, si je voulais voir s'il est dans l'église baptiste ou l'église catholique, la plus vieille organisation entre parenthèses, ou laquelle d'entre elles, le luthérien, c'est le mouvement après les catholiques. Et Wesley est venu après, ensuite, et ainsi de suite, tout au long. Maintenant, suivez bien. Si je voulais aller plus loin et regarder cette église, ces églises, c'est à quoi? Ce que je dois chercher. Écoutez, un homme. C'est une question. Et ce que je dois chercher, c'est quoi? Voilà la pensée qui est ici. Si je regarde les églises, qu'est-ce que je dois chercher? Ça dit, quand je cherche dans quelle église elle se trouve, il se trouve. Un homme qui lui ressemblerait. C'est-à-dire, quand on veut chercher dans quelle église Jésus se trouve, c'est qu'on doit chercher un homme qui ressemble à Jésus-Christ pour dire que quand je vois, alors c'est que Jésus est dans cette église-là. Et même that look like him, un homme qui lui ressemble, non. Non. Il se peut qu'il y ait des hommes qui lui ressemblent. Juste exactement. Mais qu'est-ce que je cherche? Pas un homme qui ressemble à lui, qui a l'apparence comme Jésus. Dans... Ce n'est pas ça. Quand je dois chercher une église dans laquelle lui se trouve. Qu'est-ce que je dois chercher? Alors, je chercherai un homme qui a la vie en lui. Pas qui lui ressemble de visage, mais qui a la vie en lui. Je chercherai une église qui a un esprit en elle, juste comme son esprit. Voyez, je regarderai à ses œuvres. Ses œuvres de Jésus dans cette église. Il a dit, celui qui croit en moi. Il dit Jean 14:12. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voyez, il a dit,
Celui qui croit en moi. Maintenant remarquez. Maintenant, vous trouvez dans la traduction là-bas, il est dit, il fera des œuvres plus grandes. Mais réellement ou vraiment, la vraie traduction de cela, j'ai l'emphatique grec ici, le dialogue grec ici. Il est dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et davantage que ceci. Non pas plus grand. C'est là qu'il attire notre attention. C'est davantage. Plus. Non pas plus grande. Parce que on ne peut pas faire de plus grande. Lui, il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a arrêté la nature. Il n'y a rien qu'on puisse faire de plus grand. Mais ce n'est pas en qualité, mais en quantité. But it's not in quality, but in quantity. Quantité, je ne sais pas si je prononce bien. Ok. Ce n'est pas en qualité, mais c'est en quantité. Ils pourront faire. Alors, c'est là qu'il descend paragraphe 34. Parce que Dieu était dans un seul homme. Christ Jésus. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, lorsque la colonne de feu est descendue à la Pentecôte, vous remarquez, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Avant qu'ils ne commencent à parler, les langues en langue, il y avait des langues de feu. C'était Dieu se séparant lui-même de la colonne de feu dans chaque membre de son église. Dieu se séparant ainsi, il pouvait être tout autour du monde à la fois. Suivez-moi très bien la façon que nous avançons petit à petit. Voyez comment il progresse dans sa pensée. C'est pourquoi vous comprendrez quand nous arriverons dans certaines déclarations de 60 et 63 et ainsi de suite comme ça. Voici le problème frère Branham avait avec les gens. Qui faisait qu'il devait rappeler Jean 14, 12. Voyez que Jésus a montré ici, quand il a parlé, celui qui fera des œuvres plus grandes, ce n'est pas en quantité, mais voyez, ce n'est pas en qualité, mais ça dit que ça sera davantage. Maintenant remarquez, frère Branham, il prie pour les malades. Il y a un infirme qui est recroquevillé comme ça. Il prononce la parole. L'homme, ça dit en anglais une folle, ça dit que. Voyez, les gens disent même Jésus n'a pas fait ça. Ça c'est antichrist. Et c'est là qu'il évoque, il dit. Mais Jésus a dit.
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres davantage pour montrer que c'est biblique. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ça qu'il devait amener les gens à comprendre. C'est pourquoi c'est vrai dans cet âge. Frère Branham a vivifié Jean 14-12. Mais cela ne veut pas dire que c'était seulement lui. Il a voulu prouver aux gens que les œuvres que je fais, que Jésus n'a pas fait, ne le taxez pas du diable. Mais il a promis dans sa parole que celui qui croit en lui fera encore davantage. C'est ce que vous remarquez. C'est le même qui continue à l'école. Est-ce que vous me suivez déjà très bien? Nous avançons. Revenons maintenant. J'étais où? Oui, j'ai parlé dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Nous sommes dans la persévérance. Excusez-moi, sœur, voyez, vous comprenez quand même. Aujourd'hui, ce n'est pas la prédication, mais nous sommes en train, nous voulons fixer quelque chose. Entendez quand même. La persévérance du 18 février 1962. Paragraphe 38. Écoutez. Jésus a dit dans Jean 14-12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pourquoi? Certainement, je crois cela. Ces œuvres que je fais, la vraie traduction de cela, the right translation of that, la véritable la vraie traduction de cela ou la traduction correcte de cela, c'est davantage ou plus que ceci ils feront. More than this shall you do. Voyez, vous ferez plus que ça. Et il a dit, plus grande que cela vous ferez. Il dit, vous ne pouvez pas faire de plus grand. Plus grande que ce que Jésus a fait. Il dit, lui a stoppé la nature. Il ne peut pas faire plus que ça. Il a ressuscité les morts. Il a fait toutes choses. Mais en d'autres mots, Dieu était manifesté dans un seul homme, Christ. Maintenant, il est manifesté dans l'Église universelle. Davantage que ceci. Mais les mêmes œuvres. Maintenant, suivez très bien. Frère Branham, quand nous suivons dans sa pensée, quand il est en train de parler, vous ne le voyez pas limiter cette promesse à un seul individu. Il est en train de montrer que c'est dans l'église. C'est pourquoi il montre davantage. Maintenant, l'église, qui se dit église de Dieu, mais qui ne croit pas ça, ou toi un individu, je vous ferai ressortir les prophètes, vous allez comprendre. Les conseils qu'il va vous donner. Prenons d'abord la parole parlée et la semence originelle. La première partie du 18 mars 1962. Paragraphe 175 à 176. Les œuvres que Jésus a faites. Maintenant il dit,
Si un homme a la semence de Dieu en lui, avec l'esprit de Dieu qui arrose cette semence, les mêmes œuvres que Jésus, qui a été manifesté en Jésus, puisqu'il était la semence originelle de Dieu, sa mort vous ramène à la semence originelle de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. Il dit, vous croyez cela? Il dit, très bien. Prenons Jean 14, 12. Vous dites, je suis un croyant, frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. Il dit, très bien. Je veux voir si Jésus vous appelle un croyant. Vous appellerez un croyant. Voir si la parole de Dieu appelle, vous appelle un croyant. Il prend Jean 14, 12. En vérité, il dit, autrement dit, absolument, absolument, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il dit, qu'est-ce? La même semence. Maintenant, écoutez, c'est ici que je vais compléter ceci. Parce que c'est là qu'il va dire, si vous vous sentez que vous ne croyez, vous dites que vous ne pouvez pas croire cela, parce que vous n'avez pas assez de foi pour faire cela. Ce n'est pas pour cela que vous allez nier que ce n'est pas, ça ne peut pas se faire. Où ces récits sont pour frère Branham? Écoutez-le un peu dans son contexte là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Du 18 janvier 1961. Paragraphe 27. Maintenant, s'il est le même et qu'il a promis cela, où il a dit, encore un peu de temps, et le monde, ce qui est le cosmos, ce qui signifie l'ordre du monde, ne me verront point, mais vous me verrez. Il dit, c'est l'église, le croyant, parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Cela le rend le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Saint Jean chapitre 14 verset 12. Il a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Ainsi, nous voyons les Écritures. Nous ne pouvons jamais dénier ces Écritures. Nier ces Écritures. Maintenant, écoutez ici. Maintenant, si nous n'avons pas la foi pour faire ou répondre à ceci, à Jean 14, 12, disons seulement, je crois cela, mais je n'ai pas la foi pour le faire. Je reprends. Maintenant, si nous n'avons pas la foi pour répondre à ceci, donc répondre à, ça dit que manifester cette écriture, eh bien, disons seulement, je crois cela, mais je n'ai pas la foi pour le faire. Ne reniez pas ça. Il continue. Je
j'espère que je peux avoir la foi. Je souhaite avoir la foi comme Enoch. Un jour, il marchait avec Dieu. Après 500 ans, il a eu un témoignage qui plaisait à Dieu. Et il était fatigué. Il continuait sa marche en marchant sur la terre. Et un après-midi, il marchait. Et alors, il fut enlevé avec lui dans la gloire. Je souhaite que je pouvais faire cela. Mais si je n'ai pas la foi de faire cela, je ne me tiendrai pas en obstacle dans la voie de quelqu'un qui peut faire cela. Même. Venez lire en anglais. Même. Chakwekela chumbishi kuti tabuje ndamukwa kuti mokwanza nangu to. Écoutez en anglais, vous qui connaissez l'anglais. But if I haven't got the faith to do it, traduisez. Mais si je n'ai pas la foi de faire ça, I will not stand in somebody's way that has got faith to do it. Chine mwaka jika mwa muntu munjila uri niji tabuje cha kwenza Mungu to. Si vous n'avez pas la foi là, wewe ni tabunja. Ne mettez pas l'obstacle sur le diacre Simon. Ukaje ke diacre Simon jila to. N'embêtons ça que si le diacre c'est le diacre Georges, ainsi de suite. Umbuka kumpala, kukadiange chumbishi kumpala kwa mulemi sele, nashipa mulemi Georges to. C'est pourquoi le prophète vous conseille. Yani, mon prophète wamban. Il a conseillé que dites que je crois cela, mais je n'ai pas la foi. Wakubedi, wakubedi wambeni, wewe ukebe kubenga, kadiambe bimbani, wamufundu ngowu. Vous savez le vendredi ici. Frère, mon secrétaire, frère. Qui était là? On a mené une fille presque morte à la maison des dons. Qui était là? Levez la main. La nuit du vendredi. Il n'y avait que frère. Le frère, le nom, Yvon et le frère Joseph. Yvon et Joseph. On a amené avec ses membres de famille. On l'a introduit là-bas. Les frères ont prié. Ils ont prié. À 23h, on a appelé la personne. Ah! Elle s'est relevée. Il y avait la Pentecôte derrière là-bas. Mungachi mwabufu kwabu babiglan mulu mwana wu musangu mwele mwana wita bujukile nkulu mpenta kushuka hanyi mahu wadike majitu kwati nudinu ambane nchini wamalua nudinu ambane nchini ha? Si vous n'avez pas assez de foi, dites seulement que je crois cela. Ne mettez pas obstacle. Si je n'ai pas la foi pour faire cela, je ne me tiendrai pas dans la, sur la voie de quelqu'un qui a la foi pour faire cela. Ah, il n'a pas fini. Je remercie Dieu pour la foi qui peut faire cela. Même
Frère était devant, frère Branham était devant les incrédules. Devant les incrédules, ils doutaient des œuvres plus grandes qui s'opéraient. Appeler les écureuils à l'existence davantage, arrêter la tempête davantage. On dit, où est-ce que Jésus a fait ça? Où est-ce que Jésus a créé les écureuils? Ça, c'est un magicien. Il dit non, il y a l'écriture dans Jean 14 et 12. Il a dit, celui qui croit en moi sera davantage dans la parole. Vous voyez, c'est dans la parole. Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi même davantage, parce qu'auparavant Dieu était confiné dans un homme. Maintenant il est dans son église, et il est encore revenu dans un homme. Écoutez, écoutez. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Mais cette fois-ci, auparavant, c'était du 18 janvier 65. Maintenant, du 18 janvier 61. Maintenant, c'est du 18 juillet 62. Écoutez. Bini telja yedisha di muri maya Jésus-Christ on du mwa mumake lotan chendela diamato kuti manda mugul e umusamu ngondo wa manda mutegeta mumya samu libich. Lorsqu'il était en Christ, how? Paragraphe non 90. Non, ah, c'est ça comme métier. Lorsqu'il était en Christ, il est dans son église. Non, lorsqu'il était en Christ, et maintenant il est dans son église. Maintenant, lorsqu'il était en Christ, il était juste en un seul lieu. He was just in one place. Il était juste dans un seul lieu. En un seul lieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean 14:12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Est-ce juste? Celui qui croit en moi. Pourquoi? Les œuvres, la parole est en lui. Celui qui croit en moi, plus que ceci, je connais ce que le roi Jacques dit. Je sais que le roi Jacques dit plus grand dans la traduction Bible du roi Jacques. Il a dit greater, donc plus grand. Mais cela ne peut pas être plus grand. La traduction correcte de cela, dans l'original, c'est davantage ou plus mort. Parce qu'il a ressuscité les morts, il a stoppé la nature, il a fait tout ce qui est parfait. Vous voyez, c'est juste plus que cela ou davantage. Parce que son esprit qui était en lui, le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu s'est faite chair. Il a habité parmi nous. Et il est rentré et s'est divisé et le jour de la Pentecôte parmi ses disciples. Les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Dieu se séparant lui-même parmi son peuple. Ainsi, dans l'ensemble, il pouvait être une unité de Dieu. Maintenant, arrivons dans les âmes qui sont en prison. Ouvrez les oreilles maintenant. Parce que c'est là. J'ai lu d'abord ça. Je devais d'abord vous donner. Ça dit, quand Frère Branham prêchait les âmes qui sont en prison, quelle était la pensée maîtresse? Si vous avez parcouru ça, quand je vais terminer, allez relire, vous verrez que c'est comme ça. Ce message, c'est presque comme monsieur, quel est-il? Dans monsieur, quel est-il, frère Branham était devant
devant une situation. Il était embarrassé, il voulait être fixé. Maintenant, dans les hommes qui sont maintenant en prison, écoutez. Frère Bassam, en 63, en novembre, Frère Banam venait de prêcher sur le sceau. C'est pourquoi, si vous lisez en 64 dans les questions, vous verrez qu'on pose à Frère la question. Frère Banam, est-ce que le temps de la grâce est fini? Écoutez dans les âmes qui sont à prison ce qu'il a pensé maîtresse. C'est la même année, en mars, il venait de recevoir la visitation des anges. Et on lui a dicté le sceau. On lui a révélé et il a nous apporté la révélation des sceaux. C'était encore frais. Mais or, dans la scène au ciel, quand l'agneau est monté, le jour là, dans Actes chapitre 1, quand il laissait disciples, quand il montait, après avoir triomphé, il est monté, il est allé assis sur le trône. Il devait rester là, intercédant, jusqu'à ce que le dernier entre. C'est alors qui devait s'élever, aller prendre les livres, briser les sceaux et révéler les mystères. Frère Banam, il est encore, il est dans la fraîcheur de cette révélation. Or, l'agneau ne pouvait pas s'élever du trône avant que la dernière personne n'entre. Suivez-moi très bien. Si vous lisez la brèche, c'est comme ça que Frère Benham a prêché. S'il devait, s'il s'est levé du trône, c'est qu'il a fini. Maintenant, c'est l'eau qui doit aller prendre les livres. Briser les sceaux, envoyer la révélation et venir chercher ce qu'il a pour lequel il était assis durant 2000 ans intercédant. Frère Benham se voit maintenant qu'en 63, quand il devait rencontrer les anges, on dit que l'heure est venue pour aller prêcher les sept sous. C'est que l'agneau doit s'être levé du trône. Parce qu'il ne pouvait pas se lever du trône avant de prendre les livres. Il ne pouvait pas prendre les livres sans quitter le trône et sans avoir terminé l'intercession. Maintenant, c'est un problème délicat. Mais maintenant, il s'est levé. Maintenant, il a pris les livres. Maintenant, il a brisé les sceaux. Dans quel temps sommes-nous? Voilà la précaution des frères. Est-ce qu'on est encore sous la grâce? Parce qu'il a pris les livres. S'il a pris les livres, c'est qu'il s'est levé du trône. S'il s'est levé du trône, c'est qu'il a terminé l'intercession. S'il a terminé l'intercession, il n'y a plus l'occasion pour eux. Après, vous suivez bien? Maintenant, il prend le ministère du Seigneur Jésus. Il dit, observez Jésus. Dans son ministère sur cette terre, il a prêché aux âmes perdues, c'est-à-dire que les personnes qui avaient la possibilité de croire quand il était sur la terre. Il a guéri aussi les malades. Puis après, il est allé prêcher aux esprits en prison. Il n'avait plus la possibilité du salut. C'est là que vous comprendrez. Quand il va annexer Jean 14 et 12 là-bas, nous allons,
Je veux d'abord que vous saisissiez très bien. Jésus dans son ministère, il avait aussi trois poules. Frère Branham devait avoir trois poules. Jésus dans son ministère, il a guéri les malades. Il a prêché le salut. Vous voyez, à la fin, la dernière phase, si vous lisez 1 Pierre chapitre 3, je crois, depuis le verset 18 ou 8. Il dit, il est descendu dans le séjour des morts. Là-bas, même si on leur prêchait l'évangile, ils ne pouvaient plus se convertir. Ils n'avaient pas de possibilité. Maintenant, frère Branham dit, il se voit dans la même situation. L'agneau s'est levé du trône. S'il s'est levé du trône, c'est que la grâce est finie. C'est que maintenant que les seaux sont ouverts, je suis en train de prêcher aux personnes qui n'ont pas l'occasion de recevoir le salut. C'est moi qui dis, est-ce que c'est cela? Parce qu'il était dans cette impasse-là. Mais c'est là maintenant qu'il va montrer. Il va maintenant insérer Jean 14, 12. Jésus, il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il a prêché aux gens qui pouvaient avoir les salles. Il a guéri les malades. Autre frère Banubi, que en moi aussi, ça se fait la même chose. Puis à la fin, il est allé prêcher aux âmes qui n'avaient plus la possibilité de se convertir. Et maintenant, moi, dans mon ministère ici, les seaux sont brisés, l'agneau s'est levé, je suis en train de prêcher maintenant aux âmes qui n'ont plus la possibilité de se convertir. C'est comme ça que jusque-là, il était dans cette vision-là. Maintenant, c'est là que, parce que je veux vous lire ça, si vous lisez les contextes, c'est là que quand il prend Jean 14, 12, pour montrer que Jésus a fait cela, il a prêché aux gens qui pouvaient être sauvés. Après, il a prêché aux gens pour qui il n'avait aucun espoir. Maintenant, il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est là qu'il dit que moi, je suis concerné dans ça. Parce que par moi, il a prêché aux gens avec qui ils pouvaient avoir des saluts. Mais maintenant, c'est le temps où on est tenté de prêcher parce que les sons sont brisés. Est-ce qu'il y a encore possibilité? Il dit, j'ai encore des enfants qui ne sont pas encore entrés. Dans quel temps nous sommes? Lisez les âmes en prison, vous remarquerez, frère Branham était dans l'impasse. C'est pourquoi il dit les âmes qui sont en prison maintenant. Il n'a plus l'occasion. Vous voyez, au fil du temps, c'est pour ça que Dieu davantage a éclairé. C'est pourquoi les gens qui l'ont entendu, qui ont lu la brèche, parce que si vous êtes honnête, si vous lisez la brèche, vous verrez que le temps est fini. C'est comme ça que parce que c'est comme ça qu'il a prêché ça. Et c'est là que les gens qui disent aujourd'hui que maintenant il n'a que de la fumée, il s'est déjà levé, il est venu sur la terre, c'est là qu'il se base. Mais allez, suivez encore comment ça se complète. En 64, il montre que non, vous m'avez mal compris.
C'est pourquoi aujourd'hui, allez bien relire les hommes qui sont en prison. Maintenant, écoutez les prophètes. Les hommes en prison, 114 jusqu'en 116. Suivez attentivement. Lisons. Maintenant, Jésus, après qu'il a terminé son ministère, il a prêché à ces âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, qui ne pouvaient jamais être sauvées. Or, c'est ce que nous dit la Bible. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis. Quand la miséricorde leur avait été donnée, donc du temps de Noé, ils ont repoussé cette miséricorde. Maintenant, ils attendent le jugement. Quel moment ça a dû être? Oh, je souhaiterais pouvoir secouer le monde avec ça. Pour leur faire voir ce qu'est la réalité. Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père l'avait envoyé prêcher aux vivants, suivez maintenant très bien, à ceux qui avaient l'espérance, et ensuite présenter le même message à ceux qui n'avaient pas d'espérance. Donc, quand il est allé prêcher, il semble tout à fait opportun à l'heure actuelle que la chose doive se répéter, puisque l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa propre nature et ne change pas non plus la manière de procéder de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. D'abord, la première pensée ici, il est entré, c'est ce que je vous disais. Il dit, remarquez, Dieu a dit, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé, voyez ce que Jésus a fait. Il a prêché à ceux qui avaient encore l'espérance. Ensuite, il a prêché le même message à ceux qui ne pouvaient pas avoir l'espérance. Dit, la même chose doit se répéter. Comment? Il progresse. Paragraphe 116. Les ministères doivent être pareils. Je crois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il dit, vous voyez les œuvres. Maintenant, il dit, prêcher aux perdus. Voilà les œuvres. Guérir les malades. C'est Jean 14, 12. Ensuite, à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. L'œuvre a continué. Toujours pareil. Alors, ceci a été écrit. Ceci a été. Ceci a-t-il été? Si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours, c'est ce que beaucoup d'entre vous croient. Je le crois comme vous, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Maintenant, quand vous prenez le contexte, il n'y a pas la pensée de dire que Jean 14 et 12 lui concerne.
Mais si vous suivez la pensée exacte qui est ici, c'est la répétition du ministère de Jésus-Christ. Prêcher aux âmes qui pouvaient avoir le salut, guérir les malades, enfin prêcher à ceux pour qui il n'y a pas d'espoir. Quand le même Jésus est venu ouvrir le sceau, maintenant au travers du ministère des frères Branham, il a prêché aussi aux gens pour qui il peut avoir le salut, et aussi après guérir les malades. Maintenant après le sceau, prêcher aux âmes, aux gens pour qui on ne pouvait pas avoir l'espoir. Il a fait comment? Il dit que pour cela, c'est moi qui suis concerné. C'est par moi qu'il a accompli cela. C'est par moi qu'il a accompli cela. Cela ne veut pas dire que Jean 14, 12, c'est seulement frère Branham. Il a dit davantage. Frère Branham est membre de l'église. Mais comme cet âge est un âge incrédule et qui ne croit pas ces choses, quand on voit des œuvres, par exemple, un nez qui a poussé, ça c'est un magicien. Jésus n'a jamais fait cela. Il a prouvé qu'il a promis dans Jean 14. Qu'on fera davantage. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. C'est Jean 14 et 12. Vous ne pouvez pas me juger cela. Non, me juger n'est pas juger. Ça dit que voir ça à mal. Maintenant, écoutez maintenant. Les dons appropriés. Où les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Du 22-12-63, suivez très bien. Paragraphe 62. Maintenant, comme il veut s'assurer d'abord, il n'y a pas des étrangers parmi nous. Parce qu'il veut lâcher quelque chose. Paragraphe 62. Il dit, il n'y a pas des étrangers parmi nous ce soir. Je suppose que dans la réunion de prière, parce que comme il n'y a pas de réunion de prière, ce n'est pas la réunion de prière pour les malades. Alors, laissez-moi dire quelque chose, parce que voyez, les gens du dehors, les incrédules peuvent, maintenant il était parmi les siens. Maintenant écoutez, Jésus, quand il était sur la terre, maintenant ceci c'est pour que vous réfléchissez. Remarquez, pour la réflexion, Jésus a dit dans Jean 14, 12, je pense qu'il parlait même à voix basse, il dit, je crois que Jésus est même avec vous. Maintenant suivez très bien, parce que pour les autres ça sera un scandale, mais pour vous il n'y a pas des étrangers ici. Jésus a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, même plus grandes que cela, parce que je m'en vais au Père. Avez-vous remarqué cela? Remarquez maintenant, c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu qui promettait cela aux croyants. Jean 14, 12, que des grands, plus grandes que cela, ils feront. Dans le sens toujours de dans ces derniers jours, écoutez, que le croyant fera plus grande que ce qu'il a fait. Dans Saint Jean 14, 12, est-ce juste? Croyez-vous que Jésus a dit cela? Il dit maintenant, remarquez, lorsque Jésus avait créé le pain,
Il a pris un morceau de pain. De cela, il a créé un autre pain. Il a créé à partir de ce qui avait déjà été un pain. Je pense qu'il disait, est-ce qu'il y a des étrangers ici? Parce que je voudrais que vous compreniez. Mais quand Jésus avait créé le pain, il y avait d'abord un pain. Il a pris le pain. Et il a multiplié à partir d'une chose qui existe. Je crois qu'il regardait. Est-ce qu'il y a des visiteurs ici? Ça sera l'achoppement. Mais pour vous, vous allez me comprendre. Il dit, lorsqu'il a créé le poisson, il a pris un poisson qui était déjà créé, un poisson, et il a multiplié le poisson. Il dit, lorsqu'il a fait le vin, il a pris de l'eau qui potentiellement pouvait être sur du vin et il a créé le vin à partir d'une chose qui existait. Mais vous l'avez vu au milieu de nous. Dans ces derniers jours, il a créé quelque chose du meilleur. Il dit, est-ce qu'il y a des visiteurs ici? Parce qu'ils vont s'achoper. Jésus, il est toujours dans la pensée de davantage. En quantité. On a remarqué. Mais nous le voyons au milieu de nous. Dans ces derniers jours, créer quelque chose d'inayant. Sans qu'il y ait quelque chose cet an-là. Et c'est juste. Créer un écureuil. Là où il n'y avait pas d'écureuil. Et c'est juste. Il reste le même Dieu. Il reste le même Dieu. Il est aussi Dieu aujourd'hui qu'il l'était alors. Et il le sera. Il est encore Dieu. Il défie le cœur, il lance le défi dans le cœur de croix. Il dit non, et je lance le défi de cœur au cœur de croire cela, de croyant de croire cela. Plus grande que ceci. Ça dit que davantage. Sans rien d'autre. Et paf. Il dit prenons cela. Et cela arrive. Ça, ce sont là. Voyez quand les gens entendent ça. Mais Jésus n'a pas fait ça. Mais il a dit davantage. Pas en qualité, mais en quantité. Parce que c'est maintenant dans l'église. Chez moi. Je crois que c'était chez moi. Mon épouse m'avait parlé quand j'étais absent. Il y avait un oranger là-bas. Orange à Nchindi Diacre, c'est le moulin qu'on m'a dit quand j'étais absent. Elle a peur de parler. Il y a un mandarinier, je crois, qui ne produisait pas. Diacre, c'est l'est venu. Il a prononcé la parole. Quelques jours après, ça commence à germer. C'est Jean 14 et 12. Plus grande. Si vous ne pouvez pas faire ça, ne mettez pas l'obstacle. Dites poliment que je n'ai pas la foi pour faire cela. Alors laissez le chemin, laissez celui qui a la foi de passer.
avec Jean 14-12. Avec Jean 14-12. Laissez-lui passer. Si toi tu es un incrédule, laissez passer. Vous qui avez la foi, passez. Bonjour mon ami. Et toi, faites comme les chiens. Rentrez comme ça. Vous voici 30 ans plus tard. Nous voici 30 ans plus tard. Et même voici ce soir proclamant toujours ce même message. Ça a fait le tour du monde. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Semence de discorde. 18 janvier 65. Paragraphe 29. Maintenant, en ce temps de la moisson, au commencement, quand Dieu a semé sa semence sur la terre et qu'il a placé dans le cœur de ses enfants, de sa famille, gardez cette parole, c'était leur seule défense. C'était leur seule défense. Vous voyez? Et l'ennemi est entré. Il a enfoncé la barrière en sémant la semence de discorde. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si c'était la discorde au commencement, ça l'est toujours. Tout ce qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est toujours la semence de discorde. Peu importe quelle en est la source, que cela vienne d'une organisation, que ce soit des sources militaires, que cela vienne de la puissance politique, tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la semence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, à l'exception du corps physique, parce que ce corps-là viendra quand? Hein? Vous connaissez? Où est-ce que je suis? Oui, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Quelqu'un qui ne croit pas ça, ça, c'est la semence de discorde. Quand il déclare les miracles et l'âge apostolique, c'est du passé. C'était seulement avec Frère Branham. Ça, c'est une semence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas. Ça, c'est une semence de discorde. Le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place. Ça l'étouffe. Ça étouffe la bonne semence. Ça étouffe l'incrédulité avec personne. Tout ce qui sème la discorde, quelque chose de contraire à la parole,
parole écrite de Dieu, ou qui en donne une interprétation personnelle, c'est la sémence de discorde. Dieu n'honorera pas cela. Ça ne se mélangera pas. Chers frères et sœurs, c'est ici que je m'arrête. Recevez la bonne compréhension. Frère Banham n'a jamais changé sa doctrine. Jean 14, 12, ce n'est pas seulement pour Frère Banham, mais Frère Banham a vivifié, a manifesté cette écriture aujourd'hui, l'a rendu vivante pour que les gens puissent croire aux différentes œuvres puissantes davantage que Dieu a fait aujourd'hui et qu'il continue à faire. Il était dans un homme, Jésus-Christ. Après, il s'est subdivisé dans les gens. Après, les gélés Gébert ont lié le Saint-Esprit. Dans la restitution, il s'est kénossé. Il n'était que la gerbe agitée. Mais dans les champs, il y a d'autres qui doivent vivre la maturité. Continue à manifester Jean 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous ne croyez pas, reculez, laissez l'autre passer. Il y a assez de foi pour faire cela. Que le Seigneur vous bénisse.